par là, on a joué une tombe tout à l'heure. Et quand tu as dans un mot à vous. Par exemple, là, m'a regardé tous ces jeunes. Il y a aussi des moins jeunes là-dedans. Et à remarquer toute l'énergie que. Enfin, toute l'énergie que vous mettez dans cette affaire. Évidemment, c'est du boulot. Ouais. M'a surtout regardé. Nombre de temps que vous mettez puis vous marchez le long de l'avenue Barranquilla, le spectacle qu'ils font sur le macadam, avec toutes ces œuvres, c'est énergivore. Donc, moi, je n'imagine pas, je veux vraiment pas imaginer que vous ne soyez pas touché. Ouais, mon cher, et son aspect important pour nos moyens, parce que généralement, et l'argent, c'est le nerf de la guerre, et très souvent, nous ne pouvons pas parler de bail, ça. Mounio, bah, on performance, mais vraiment, qui prend yo en pile temps, qui prend yo en pile énergie, qui prend yo en pile de l'eau. L'extrêmement important pour après coup, que yo honoré et fort ça, que Mounio fait, que Mounio touché à temps, que c'est pas après 2 ans, après 6 mois, après 8-9 mois, y'a bah, Mounio, ça va, bah, l'extrêmement important pour comité organisateur, dites-lui que ces gens-là, qui sont dans un élan performatif, faut nous saluer, ont tel investissement, faut nous payer Mounio correctement. J'ai eu le bonheur de parler à un ami, tu sais ce qu'il m'a dit. Zimbreg, il faut qu'on paye le carnaval 2017. Et nous sommes en plein dans le mille, hein, nous sommes en plein carnaval 2018. Il faut qu'on paye le carnaval 2017. Voilà, ça, c'est un manque à gagner. Alors que quelqu'un de monde qui est touché, qui va nécessairement faire carnaval la fête concrètement. Mm-hmm. Parce qu'au final, malgré tout ce que tu peux avoir comme idéation pour le carnaval, les grandes réunions en bureau, au bureau et tout, il y a de monde qui sous béton. Il y a de monde qui sous asphalte là, qui a fait carnaval là même. Comme si il faut saluer cet élan dans la concrétude. Le monde qui a fait carnaval là même, non. Et ça qui fait nous espérer que le monde qui a performé là, yo, J'aime bien ce mot, concrétude. Ouais, la concrétude. Mais la concrétude, c'est aussi une attitude. Oui. Absolument, hein. C'est une attitude. Ouais. Alors, ça passe là, moi, bah, ils font-ils camper. Et on a joué un tombe pour nous connaître pour qui ça y est au camper. Nous, là, nous, un guito au moins. Mais bon. Quel passionné ce guito, hein. Monsieur, son malade, oui. Je suis passionné, je aime bien ça. Qui ça? Guito. Je aime bien ça. Oh, mais bien sûr, hein. Bien sûr, bien sûr. J'estime ça, vous le faites dans la ville même. Non, mais... C'est vraiment la culture de l'image, la passion de l'image. Tout à fait. Et dans le new management, on parle de ces 5 P. Et parmi ces P-là, à côté de la potentialité que tu dois avoir, mais la passion aussi est un élément clé important. Ouais. Donc si tu fais quelque chose où il n'y a pas de passion, tu vas pas réussir là-dedans. La chose, d'ailleurs, définitivement. Confucius, que tu aimes bien, l'avait dit avant nous, hein, quand tu exerces un métier que tu aimes, tu n'as pas la sensation de travailler. Tu prends plaisir à exercer ce métier. Ah ouais. Quand tu, par exemple, toi, quand tu promeus les livres, quand tu présentes les livres, vous. Je ne sais pas ce que travail veut dire. Ah ben... C'est de même pour notre patron Patrick Monsignac. Ouais. Quand il bosse au niveau de la radiodiffusion, ben, c'est son dada, c'est sa passion aussi. Et puis M. Babdo, mais non. Alpha Patrick Monsignac, mais non. M. Babdo, mais non. Les Aldou, ils disent tout, faut travailler. Mais faut M. Bouquet Faouché, M. Machine 9. Ouais, le Michel. Aïe. Bon, là, madame, je nous continuons à regarder là. Et bon, m'a aidé Tom faire job par là. Et m'a contacté parce que Tom, est-ce que Tom a Alphonse rafraîchi? Non, pas avec Tom. Oh, Tom. Mais Fanti, Tom a pris 10 milliards. Ouais. Tom a pris 10 milliards. Faut Tom qu'on pose tout. Et pas 10 milliards, c'est milliards même. Et pas 10 milliards, c'est milliards même. Ouais, m'a pas le mal, lui, Tom. Non. Heureusement, on va arrêter. Non, alors, m'a dit en bas, viens pour un petit glou là. Non. Pour me retourner parce que vous connaissez ça que vous devez camper. Ouais, faut retourner. Et ça fait un sac que vous camper. Et m'a de l'eau seulement, viens prendre. Non, ben, on a de l'eau. Oui, là, m'a fini ma boîte de l'eau. Bravo, mon prince. Ah, c'est contre Guita. Allez-nous avant. Mais, Breg, on constate dans le carnaval là, et on prédominance du rouge, Breg. Dans plusieurs groupes qui passaient là, moi, rouge là. Mais tout à fait.
On va passer rapidement au tube. Hein. On s'organise ça. On s'organise pour ça. Alors, non, mais tu peux continuer. Hein. Bon, toi aussi, tu portes le rouge. Moi, définitivement. Hein. Non, mais... Moi, le rouge, c'est ma couleur préférée. Ah ben... Mais son couleur excessif, moi, une couleur bonheur allié même. Non, mais... C'est une couleur qui prend de l'espace. Absolument. Et c'est assez psychédélique. Hein. Ouais. Quand tu regardes le rouge au tube, et tu passes bien au tube, tu passes bien à la télé avec le rouge. Il y a de ces couleurs, par exemple, le vert, le jaune. Mm-hmm. Demandez aux artistes. Ouais, ouais. Le vert, le jaune, le bleu. Le rouge, écoute. Ça, c'est des couleurs qui sont extrêmement frappantes. Alors, ça me constate devant nous en break, uh-huh. C'est déjà très bien comme signe. Ouais. Mon respecté plus ou moins limite, yo by full là. Ce qui fait que défilé est arrivé qu'a fait. J'espère que Port-au-Prince, il y a même démarche ça, que mon yo t'a quitté défilé à fait. Ouais. D'autant que l'avenue de la République, côté carnaval l'a passé, Port-au-Prince. Longtemps plus large que Avenue Barranquilla. Longtemps, hein, longtemps. Donc, ça veut dire que si. Bon, malgré quoi de la boîte, faut me dire, il y a des gens qui entrent dans ce spectacle-là, participent dans des cours-là. Oui, oui. Par exemple, on va toujours jouer nos 2-3 Camoquins quand même. Ouais. Mais dans l'ensemble, la population de Jacmel respectait les limites-là, ils ont quitté les filets à fête. Et ça, on réflexe citoyen. Uh-huh. C'est se dire tout simplement, autant quitter les filets à fête. Autant quitter monde qui a performé ou performé, parce que dans le carnaval, il y a quand même une mise en espace qui est planifiée. Et pas comme ça, mon a défilé, il y a une organisation, il y a une mise en place qui a été faite, il y a un metteur en scène qui a travaillé sur ce carnaval. Et là, nous avons défilé carrément. Justement, indien. Bon, indien, est-ce que c'est le bon mot? Parce qu'en Haïti, pas de gain indien. Christophe Colomb s'est trompé, mais là, on défilait Arawak, on défilait Caraïbes, n'est-ce qu'on passe. Justement, tout à fait, parce que les premiers habitants de l'île, tu te rappelles, Vega Real. Je sais que toi aussi, tu es un féru d'histoire. Ah, absolument. C'est pour ça que j'aime pas lorsqu'on appelle les premiers habitants d'Haïti des Indiens. Ouais. Christophe Colomb s'est trompé. Ouais. Je pensais le river en Inde. Et puis, je dirais les monions indiens. Ouais. Au fait, c'était des Arawak, des Caraïbes, des Taïnos ouais. qui vivaient sur l'île. Et c'est bien que Carnaval Jacmel là. Quitter Mounsayo, bon place, quitter Yogin, représentation Payo, sous-défilé à tout. Bon, bah, il m'a obtenu la break beaucoup, ouais. J'ai l'impression que je suis en train de me jampita. Moi, mais chaud du feu, là. Moi, mais les mounions, chaud du feu. Non, mais. Du feu. Le truc, c'est que tu peux pas avoir le chaud. Quand j'ai envie les nexa, oui. Aïe. Ce sont des jongleurs. Ouais. Donc, tu peux pas avoir ce type de chaud. Pendant qu'il soleil encore, en plein soleil, tu ne peux pas l'avoir. Mais c'est justement soleil là pour tomber avant, début de soirée. Et là, sinon, tu ne peux pas vivre le spectacle, flamme, le feu. Ah, belle bagarre. La nuit, ça aide. Non, mais non, Wade, qui t'aime d'où se passer mon côté aujourd'hui. Il y a un boulot. Ouais, tu m'as mouillé comme ça, Vinio. Ah, non, il y a un coup, mais tu m'as bao. Oh, je m'en fais entretien, tu m'as
Attention, Jérémy Tillion. Bon, madame, monsieur, nous continuons à vivre carnaval sur Radio Télévision Caraïbe. Et à remarquer que nous t'avons annoncé les couleurs. Et un peu plus tard, justement, on va retourner vers Vinjoen D'Angelo encore. Mais qui t'aime tout là, dans le moment où on a parlé là. Et activité au continué, activité carnaval au continué dans Jacmel. Et puis un peu plus tôt, j'ai eu le bonheur de vous l'avoir annoncé. Eh ben, j'ai sillonné les rues de Jacmel. Eh ben, j'ai vu combien de chars? J'en ai vu 7. Et dans un premier temps, j'ai parlé à Jacques Adler Jean-Pierre qui m'a annoncé, parce que justement ce dimanche, nous sommes partout, nous sommes à Jacmel, nous sommes sur Pétionville, nous sommes sur Carrefour, nous sommes sur Delma, nous sommes sur Gonaïve et là à Jacmel exactement. Là c'est un spectacle, justement une belle chorégraphie comme nous l'avons annoncé dans le spot promotionnel. C'est beau à voir ça à chaque fois que nous avons l'occasion justement de vivre l'émotion, la passion, et à chaque fois que nous avons l'occasion de vivre, de regarder en direct ce spectacle des rues, ces belles femmes haïtiennes. Bon Dieu, quel décor. Alors on va parler ça avec D'Angelo tout à l'heure. Mais d'abord, il y a des gens qui font, il y a des gens qui virent, il y a à gauche, il y a des gens qui font à droite, il y a des gens qui font dans le mi-temps, il y a des gens qui dansent, il y a des gens qui font chorégraphie, accompagnés certainement de leurs moniteurs, accompagnés certainement de leurs monitrices. Donc c'est un beau spectacle. Quand le spectacle est beau, eh bien Coca-Cola, Gonjan Lremel va là. Quand le spectacle est beau, eh bien quittez-moi tout, les systèmes de Gonjan Lremel. Quand le spectacle est beau, Natcom Gonjan le dit, comme c'est intéressant, Natcom Gonjan le dit, comme c'est extrêmement bon, comme c'est extrêmement beau. Donc c'est comme ça. Donc madame, monsieur, le carnaval sur Jacmel, c'est beau avec Natcom. Le carnaval sur Gonaïve, c'est beau avec Natcom. Le carnaval sur Pétionville, Carrefour, sur Delma, c'est beau, c'est bon. Et puis Gonjan Coca-Cola dit, bon, il fait chaud au carnaval, nous-mêmes n'a baissé chaleur avec Coca-Cola. Donc Coca-Cola, bon goût, Natcom, le système, comme c'est intéressant.
D'Angelo. Et là, bref, on chorégraphie devant nous, là, son bar extraordinaire, hein. Et puis qu'on trompette, ça il faut le dire, son carnaval avec musiciens sérieux. Je fais de bons coups de trompette là, qui rend jaloux, quel que soit trompettiste de jazz ou bien de quoi orchestre. On va être sérieux, chorégraphie a bien fait. Il y a deux professeurs à mi-temps, je me signale ça en pile. Il y a toujours le professeur qui imprime le premier mouvement et mesdames yo qui suivent. Et ça crée un gros mouvement d'ensemble. Et ça qui constitue réellement ADN carnaval. Jacques Bella, Napoel Kouniala, c'est de gros Madigra, de gros Lougaou, c'est définitivement un principal élément qui constitue ADN, Carnaval, Jacques Bella. Écoute mon père là, mes amis, maintenant après le c'est bon, 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 définitivement, Greg, gardons bonheur, ça se passe à Jacques Mel et nulle part ailleurs. Bon bagaille. Ça c'est du talent. Ah ben absolument c'est du talent, d'autant qu'ils ont été assez bien, assez super outillés pour ça. Hein. Parce que là, ne pense pas qu'il n'y a pas eu de répétition avant ça. Mm-hmm. Ne pense pas justement c'est de l'improvisation, tout ça. Ouais. Non, pas penser ça. Ouais. Non, c'est ton bagaille qui est planifié, qui est organisé, et qu'on saxophoniste qui l'a tout. Malheureusement, ils ont envahi Guito Drop. Je pas arrivé dans nous, image compétition avec saxophoniste, non. Mais c'est vraiment du grand art, son non, carnaval qui mettait en avant, son potentiel artistique. Apporte, si qui ne pas arrivé dans nos images, là. Parce que nous devons faire, mais monsieur, là. Nous n'avons pas une seule caméra, mon frère. Ouais. Et tu es en train de dire que Radio Caraïbes serait la meilleure des radios. Ah ben oui. Joyeux carnaval. Alors, femme tour, il y a deux Leurbourg qui sont ensemble, je veux dire là. Il y a Patrice Leurbourg, il y a René Antoine Leurbourg. Ouais. Et... René met des lunettes, wow, bah. René c'est ingénieur, son nom. Ouais. Tu mets des lunettes, Nîmes, monsieur Frey. Job ouais. Ben, nous sommes, job ben, carnaval là. Absolument. Et puis tout à l'heure, malgré l'occasion, il faut aussi parler avec Patrice Leurbourg. Ouais. Probablement tu connais Philippe Leurbourg, hein. Oui, Philippe, bien sûr. Ah ben, c'est sûr. La même famille. Ah, c'est la même famille. Ah ben, c'est la même famille, mon ah, frère. Ben, c'est magnifique. Ah ouais. C'est magnifique. C'est sûrement les amis Serge Gonzalez, André Hendon, comme ça. Ses amis, tout le monde boit de. Moi, Serge Gonzalez, un petit gens calme. Ça qui passe, Gonzalez. Bon, ouais, là, monsieur Soukoumé, il est la plus calme. Il est la force calme. Ouais, monsieur calme, oui, va. Madame, monsieur, on continue à vivre passion carnaval là. On continue à garder cool au carnaval là. On continue à vivre démarche de chorégraphie. On continue à prendre chaque coup de tambour qui fait Jacques Mel. Coca-Cola dit go, Jacques Mel. Chaque coup de tambour qui fait Jacques Mel. Eh bien, le système dit go, Jacques Mel. Chaque coup de tambour qui fait Gona. Coca-Cola dit go Jacques Mel. Attention, chaque coup de tambour qui fait go naïve, Coca-Cola dit go. Chaque coup de tambour qui fait go naïve, les 60 dit go. Chaque coup de tambour qui fait go naïve, mais bon j'ai un bon coup dit go. Chaque coup de tambour qui fait Jacques Mel, go naïve. Jacques Mel, go naïve, Delma, Pétionville, Carrefour. Bon j'ai un Coca-Cola dit ma descente chaleur. Aïe. Ouais, là, on bande devant nous, là, on va capoter. Yes, on est. Tu vois, ça monte de temps en temps. Non, mais. Bah, c'est vrai, café. Tout à fait. En tout cas, on quitte. Ouais, m'a regardé. M'a regardé, tombe.